Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre Mamadou et Binetta. Aujourd'hui, notre leçon est portée sur la différence entre deux locutions conjonctives qui sont entre autres bien que et malgré que. Entre ces deux locutions conjonctives, l'utilisation de laquelle est conseillée par rapport à l'autre. Juste après ça. Avant de commencer, je vous invite à faire d'abord un tour sur la plateforme de l'Université virtuelle du Mali et vous inscrire pour les cours de soutien qui sont en cours. Bien que est une locution conjonctive suivie du subjonctif. Elle exprime la conception. Exemple, bien qu'il pleuve, Oumou va aller au marché. Si vous remarquez bien cette phrase, la pluie n'empêchera pas Oumou d'aller au marché. Autrement dit, on va dire que le fait n'a aucune conséquence sur l'action. Quant à malgré que est une locution conjonctive suivie du subjonctif. Elle exprime aussi la concession. Malgré que est la forme qui appartient au registre familier. C'est la forme la plus populaire. Mais son utilisation est fortement déconseillée. Si vous voulez parler de la concession, employez plutôt quoique ou bien que au lieu de malgré que. Par exemple, au lieu de dire malgré qu'il pleuve, je suis allé courir. Dites plutôt bien qu'il pleuve, je suis allé courir. C'est tout pour cette unité et j'espère que cette leçon vous sera utile dans vos épreuves à venir. Faites un tour sur la plateforme de l'Université virtuelle du Mali pour vous inscrire aux cours de soutien qui sont en cours. Et c'est des cours de soutien qui vous aident à préparer votre DEF ou votre examen. À très bientôt.